بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour nous. Comme Allah le mentionne dans la sourate Al-Ahzab, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Certes, dans l'exemple du messager d'Allah, il y a pour vous un modèle parfait. Et en tant que modèle, nous devons donc rechercher à lui ressembler. Si on étudie sa vie, l'une des choses les plus frappantes est sa noblesse de caractère. Cela est d'ailleurs confirmé par Allah en ces termes. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et tu es certes d'une moralité éminente. Ce bon comportement, est-ce une chose que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède? Est-ce un plus pour le croyant ou est-ce un élément fondamental dont il doit se soucier tout comme il se soucie de sa salah? Voyons-le ensemble à travers ces quelques points, mais également ce que l'on entend concrètement par le bon comportement et enfin, quels sont les moyens pour développer ces qualités. Tout d'abord, chercher à avoir un noble caractère est une sunna de catégorie wajiba, c'est-à-dire obligatoire. Chaque croyante se doit de faire des efforts afin de la développer. Le bon comportement est un élément extrêmement important au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma min shay'in athqala fil mizan min husni al-khuluq » Rien ne pèsera plus lourd dans la balance au jour de la résurrection que la noblesse de caractère. On peut se demander pourquoi la noblesse de caractère et non pas d'autres actions telles que la prière ou le hajj. Dans Tuhfatul Ahwazi, il est mentionné que l'une des raisons est qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cette qualité. Et de ce fait, la personne qui possède cette qualité sera aimée par son créateur. Le bon comportement permet de se protéger des maladies du cœur, qui sont des fléaux pour notre foi et pour nos bonnes actions. Enfin, c'est par le biais de cette qualité que l'on facilite la transmission d'informations, l'enseignement et que l'on cultive de bonnes relations avec les gens autour de nous. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, raconte: le dernier conseil que me fit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au moment où je posais mes pieds dans l'étrier fut « Embellis ton caractère pour les gens ». Voyons à présent, qu'est-ce que l'on entend par la noblesse de caractère? C'est par exemple savoir être doux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Lorsqu'une chose est ornée de douceur, elle l'embellit, et lorsqu'elle en est privée, elle l'enlaidit. » Être clément et compatissant, savoir pardonner à l'autre, car, tout comme nous, il lui arrive de commettre des erreurs. C'est également savoir faire preuve de patience en cas d'épreuve ou de situation difficile. Ou encore, le fait d'être avenant et souriant, être humble, généreux, respectueux et délaisser la vulgarité et la grossièreté. N'oublions pas ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah déteste tout être vulgaire aux propos grossiers ». Abordons maintenant les moyens pour obtenir la noblesse de caractère. Le bon comportement n'est pas inné chez l'homme. De ce fait, chacun doit fournir des efforts réguliers pour obtenir ses qualités, tout comme nous fournissons des efforts pour réussir nos études. Parmi les moyens rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les ulama, il y a le fait d'invoquer Allah avec sincérité en lui demandant ses qualités. Le fait de développer en soi l'amour d'Allah et chercher à lui plaire. Rester dans la compagnie des gens qui possèdent ces qualités, faire régulièrement un bilan de nos actions et de nos paroles, et prendre la ferme résolution de s'améliorer, se souvenir de la mort, du jour dernier et des comptes que nous devrons rendre. Nous terminerons ce rappel par cette invocation enseignée par le messager d'Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Seigneur, comme tu as embelli mon apparence physique, alors embellis aussi mon caractère. En effet, c'est l'intérieur de l'homme qui définit sa beauté et non pas son physique. Les qualités que l'homme cultivera en lui définiront sa beauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq de comprendre ses paroles et de les mettre en application. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.